Bon, n'a dit tout le monde qui est en Chili, un gros coup de bonjour, un gros coup de bonsoir, un gros coup de chapeau. Et je dis à, c'est un plaisir pour nous avoir plusieurs invités, pour nous parler sur un cas urgent. Et je nous dis là, il y a longtemps, tes uns pas fait live. Et mais pas de monde qui m'a dit pour ça, tes uns pas fait live. Et je nous dis là, nous sommes Mackinson Jean-Baptiste, moi c'est un leader tes uns. Monsieur un leader espace de réflexion haïtien et tout le connaît déjà et application que nous avons téléchargé gratuite toute information de Chili. Je dis à la me dit nous depuis un bagou monde qui connaît information yo, on pas faire live, on gon inviter, m'a pas faire live seulement moi-même. C'est peut-être ça nous gien amis nous Jean-Claude Pierre-Paul que tout monde connaît ancien dans Chili qui gon carrière, qui gon passé et na kilikula. Donc et si qui thème nous pas parler aujourd'hui, nous pas parler sous thème de dame qui rele Joanne Florville que la police t'a arrêté soit parce que oui elle t'a quitté petite lit abandonné petite lit arrêté, yo metté dans la prison car une amélioré à l'hôpital avec et puis matin nous recevoir nouvelle là que Joanne Florville mouri. Comme moi-même, Mackinson Jean-Baptiste, et je ne suis pas tellement une histoire. Donc, c'est pour ça que je invite Jean-Claude, Pierre-Paul, qui est un leader dans la communauté, pour participer dans la live avec nous, pour qu'on connaisse ce qui fait ça te passé. Mais avant de commencer, nous avons un film qui est déjà branché. Nous avons Haïti, l'appel des Antilles, Créole Production, Mimos Pierre qui est branché depuis Haïti, Anne Van et Sibersi depuis les États-Unis, nous avons Fusnel de Silus, Wolf Gabriel, Zami Pam, Dr. Pam, Johnson Carl, Oswald Pierre, qui capte nous là, Haïti capte nous là dans Chili. Et big up pour tout le monde. Donc, avant de commencer pour nous parler du thème, nous saluons Adno François, qui sont gros leaders dans la communauté, qui font bon travail. Nous saluons Emmanuel Simeus, Dr. Emmanuel Monpoint, nous saluons Jeff, toute base qui est toujours là, qui peut aider Haïti qui est dans la communauté, quel que soit le côté. Nous passé de stade. Présentation. Jean-Claude Pierre-Paul. Qui ça Jean-Claude Pierre-Paul? Qui est-ce qui Jean-Claude Pierre-Paul là? Et est-ce qu'on va présenter public tezin? Qui est-ce qui mouille? Comment arriver Chili? Nous ne prenons plus le temps. Et normalement, c'est Pierre-Paul Jean-Claude. C'est un haïtien. Nous venons à Chili dans l'année 2008. Et nous arrivons dans la ville Kilikula. Et la commune Kilikula, si vous êtes là, c'est pour ça. Et après ça, nous faisons études en relations humaines. Et par la suite, on fait stage dans le bureau immigrant qui est pour là, et ça va bien 2 ans depuis qu'on travaille dans le bureau. Donc, et je vous dis, c'est nous qui avons administré l'espace. Et essentiellement, en général, c'est ça, c'est mon nom. Jean Claude, nous ça va aller longtemps depuis nous recevoir et quelques attaques de quelques haïtiens qui de mauvaises intentions, qui choisit d'attaquer nous socialement, moralement et aussi physiquement. Et parce que nous quitté ça dans la justice, parce que la justice c'est la seule instance qui a un pouvoir pour décider sur la situation. Mais la situation qui convoque nous pour négocier, c'est la situation de Mme Joanne Florville, qui est une haïtienne qui vivait dans le pays à sa place. Moi, côté, et on a tout rentré directement dans l'histoire qui passe, madame. Non, c'est que l'arrivée dans le pays, il y a de travail, il n'y a pas de travail, disons mieux, il était enceinte, il fait un petit monde dans le pays, hein, et il était à peine un mois depuis qu'il a accouché. Donc, Marie, il sortit à l'aide de travail, il n'y a pas de travail là, mais il rencontre avec un Chilien qui fait qu'on est dans un bureau, qui dans la zone, et l'Obrado. Il y a des cabales en travail, il y a un grand métal dans l'espace côté de la HZ. Et on fois le commencer la HZ, c'est comme ça. Et Chili était accompagné là, prend tout document que lui gagnait, Falizli, avec l'autre secte avec lui. Hein, et puis, il démarre, ou bien, il jette. Et par la suite, les messieurs senti ça, ils ont bien avisé que les documents étaient dans le même monsieur Sahara, il fait tout ça le capable pour prendre contact la police, pour demander la police aide. Pour aider le récupérer les documents parce que dans la valise monsieur il y a un passeport, boussole, tout document qu'on est
haïtien possédé comme un citoyen. Donc c'est à travers de ça l'arrivé et a fait démarche pour ça. Dans le jour suivant, haïtien n'a quitté qu'on est dans la situation monsieur Ayé, d'aller dans bureau pour demander qui j'ai aidé pour récupérer le document pour bailler plus d'informations qui côté chilien ça arrêté parce que c'est pas un chilien qui n'est qui paraît parce que l'elfe n'accompagne monsieur yo, il parlait avec monde dans l'institution côté haïtien et pas le travail là et ensuite à base de ça, il mettait monsieur à travail et il déplaçait avec document yo. Donc les haïtiens n'a pas qu'à expliquer, il dit monsieur qui était sécurité parce que ces témoignages ça nous donnait une chance de parler avec madame Johan elle était dans la poste centrale là et il fait nous connaître que il dit monsieur a pour qu'un petit monde dans pour lui il était avec un monde qui parlait espagnol il va chercher monde là pour venir faire traduction pour lui. Donc ça veut dire samba découpe dans parole, ça veut dire rumeur que la police t'a arrêté et Johan Florville là parce qu'il t'a abandonné un bébé parce que c'est une bagarre que loi chine pas permettre qu'il abandonne un bébé ou paye pénalité pour ça, c'est pas un bagarre qui kembe, ça veut dire c'est un côté de quitter timoun là. Exactement, li quitter timoun là mais personnage en sécurité qui voyez yeux pour lui pour la chercher on pouvait faire traduction parce que nous connaît communauté haïtienne n'il pas parler espagnol. OK. Donc nan a chercher mon nan et Léo elle fait environ 5 à 6 minutes il pas tourner sécurité a relé responsable dans yo yo ferme bureau yo yo relé la police et relé OPD qui c'est office protection des enfants des mineurs et qui vini et puis yo arrêté madame. Okay. Donc arrêté là pas ta un problème mais c'est dans qui condition yo arrêté comprenez. Donc c'est depuis là yo commencé et violer droit et yon nan bagay m vle pour communauté a konnen yon nan droit que société a gagné ou bien quel que soit moun ka viv sou terre quel que soit kote ou ale ou gen droit pour exprimer ou nan langue maternelle. Ça veut dire c'est yon nan et principe droit de l'homme. Ça veut dire quel que soit moun haïtien chinois japonais li rive nan pays li ka parler l'anglais c'est obligation l'état pays hein, pour mettre système qui pour bal possibilité pour comprendre ça le dire. Donc principe là nous elle pas respecté et en plus il a arrêté dame nan dans déclaration dame nan bail et là au final arrêté là il fait maintenant côté après ça il prend ces deux moun en civil qui arrêté yo prend ça le dire moun yo qui arrêté là pas gagné batch policier seulement yo te gen zam avec et plaque qui identifié comme policier mais okay. Yo pas gagné et yo pas en uniforme sinon tu gardes dans façon ça yo arrêté yo fait on vireront selon Damnan qui environ 20 à 30 minutes avant yo rentrer dans commissariat à côté au Banavel là et en plus de ça avant yo rentrer dans commissariat avec yo mettait Damnan face avec des journalistes pour tenir ou bien pour et sale image. Donc c'est depuis là ça Damnan tombé dans situation de dépression, il est tombé dans situation de peine profonde qui pral dans nos situations que nous apprenons. Malheureusement matin à 9h05 du matin et n'a pas résisté avec souffrance parce que je me parlais avec lui il dit si me pas une petite moi m'a mourir. OK. Chose des choses fait matin et il décède matin. Donc c'est un cas trop triste et en plus de ça vous dites comme ça que la presse chilienne ou bien quelques journalistes chiliennes yo wa avec journaliste yo pour café faire ouais dame nan comme quoi dame sa tata violé loi qui te bébé et pourtant c'est pas ton cas. Donc la presse pas supposé faire tout brisa avec bagaille là ça a affecté dame nan tout et moi pense que c'est un principe droit de l'homme et quel que soit monde qui commet quel que soit délit ta commet là li gagne droit pour protéger identité personnelle li parce que c'est même situation qui t'est passé avec cas de les plans. Donc la presse ou bien professionnel qui sous dossier mon n'a pas gain responsabilité ou bien pas gain droit pour exposer mon n'a avec des sanctions morales sociales et qui capable jouer en compte et fonctionnement mon ça. Donc c'est ça qui fait très très important pour nous signaler que madame Johan journée jeudi en thèse que nous avancer et li mouri c'est parce que la loi chilienne et pas balle protection que le méritait la loi chilienne pas défendre les gens était de défendre ni. Donc
Tout à l'heure, nous faisons que nous recevons un appel côté nous faisons que madame n'a pas arrêté. Oui, elle est arrêtée parce que madame n'a pas rentré à l'hôpital parce que elle était malade. Elle est rentrée à l'hôpital parce que elle a arrêté et selon ça, elle a dit qu'elle a frappé la tête. Elle vient tomber dans une situation de coma. Situation de coma, elle vient sortir là dans après 7 jours. Comprenez? Qui est très grave. Elle vient sortir après 7 jours. Après 7 jours, ça a et commencé à améliorer. Situation ni et par la suite journée jodiant et qui parle gain environ mois depuis situation passée madame n'a décidé donc là encore nous on gagné en négligence dans diligence qui t'a fait yo parce que et nous connaît principe juridique là dit si toutefois ou pas gagné une preuve qui pour démontrer que ça va poursuivre mon nan gagné genre de on sait de pratiques qui pas à la mode. Par exemple, journée jodi an madame nan mouri petite li ba avèl. Comprendre petite dan nan casa de menor, kay mineur. Appartient avec Sename qui c'est un service national qui c'est service national des mineurs. Donc en pile monde dit non et c'est pas ton détention, oui son détentionnier parce que pas de raison pour te séparer de lieu côté lui-même li a fonctionné comme citoyenne et cap vivre avec Marie, c'est peut-être li pa gen Marie a pa gen travail mais c'est des monde qui quelles que soient les façons yo té utiliser les moyens pour survivre en attendant que yo té joindre les documents et en plus de ça pour waouh c'est une situation qui grave et me pense que ça fait journée jodi an nous en campagne pour nous inviter communauté haïtienne nan pour participer ensemble avec nous demain et à partir de 6h30 sous place de Alma côté nous pral gagner yon et velaton pour madame nan qui décédé et velaton nan c'est yon espace d'expression de douleur et face avec une situation de frustration pour une mauvaise gestion de l'état par et, exemple okay. Et madame nan victime de discrimination premièrement parce que jusqu'à présent, il n'est pas passé devant un juge naturel. Deuxièmement, il n'est pas gagné et petit lio séparé là avec lui pendant ce temps. Convention internationale sur droit, Timon dit, Timon n'a pas gagné droit. Séparé avec des parents. Toutefois, il n'est pas en face au risque. Donc, madame n'a pas représenté un risque pour petit lio. Et en plus de ça, et la loi pas bail autorisation ou bien autorité à quel que soit citoyen ou bien instance là. Pour yo et non seulement éloigner yo et en plus de ça pour et sale ou bien tenir image et gens yo te fait sous la presse donc on pense que c'est genre des situations ça yo qui mettait dame dans la situation lié journée quotidien c'est un espace pour nous et profiter faire ouais situation immigrant yo vivre et en plus de ça pas seulement madame Joanne donc combien madame Joanne qui vivre dans anonyme séparé avec petit yo et journée jodi a qui pas de chance pour exprimer situation ça donc nous senti c'est une opportunité pour communauté haïtienne nan et réveiller la communauté immigrant en général parce que ça qui passe madame Joanne nan il ca passer n'importe monde qui vivant dans pays yeah. Et me pense c'est un tristesse pour communauté haïtienne nan et donc et question va le poser et qui sont pensés de l'État haïtien face à la situation, ça, surtout la situation qui a passé. Et deuxièmement, qui sont pensés de la presse haïtienne, tout, et qui des nouvelles qui a passé ici, soit que sans pas chercher une source nouvelle là pour une équipe publiée. Par exemple, nous avons deux cas qui sont passés déjà. Cas de l'EP qui est passé, parce que la presse chilienne dit que c'est un haïtien qui a gagné l'EP là. La presse haïtienne publie le même genre tout, ça va faire aucune investigation. Même quand ça Joran Florville, il a même publié le tout en Haïti, il a dit comme ça que Joran Florville pour la pression de petite lit, j'étais petite lit, et l'autorité chilienne arrête-elle. Qui met ça où tu as voué la presse haïtienne avec l'État haïtien et sous situation ça, comment tu as évité que situation ça répète parce que violence n'est pas seulement violence physique, mais violence n'est pas seulement violence médiatique. Tout. Alors sous ouais femme ou visage dans la presse ou y a pas les deux de la presse femme ou ça tout la pas fait tout et me pense une bagaille nous moi même mon petit Jean parler mais parler de l'état haïtien parce que nous pas on l'état vrai comprendre parce que nous pas rempli conditions en état comprendre nous seulement rester sous ça que tu as relé et gouvernement
Comprends? Donc, et pour ta gagner en l'état ici, faut l'état que nous qui représente nous, l'état représentatif. Faut que l'état en l'état qui gagne capacité pour gestion espace, parce que journée aujourd'hui, c'est un droit de l'homme qui violé dans tout niveau et soit regardez bien, c'est pas seulement et nous-mêmes les haïtiens qui indignés des situations, hein? Communauté chilienne nan, et en pile monde qui et sympathisé avec situation, hein, démontrer que ils ont intérêt. Mais madame n'a fait tout le temps ça à l'hôpital. Jusqu'à présent, triste nouvelle, l'ambassade d'Haïti au Chili n'a pas pris note de la situation. Donc, ça a démontré que bon, on négligence, on manque de conviction, on absence d'intérêt de la population qui manifeste dans l'espace saillot. Donc, qui vient mettre nous en face avec une situation côté moun, c'est comme si tu me battes un petit moun, tes parents, tes parents, tu as posé une question. Donc, situation ça, il pas passé. Donc, madame la victime, l'État, il ne s'est pas réagi. Vivre mourir, je ne veux dire, ouais, c'est des particuliers. Ce n'est pas même l'État ici qui, je ne veux dire, qui prend la presse, qui font communiquer des notes de presse pour inviter la presse internationale comme la presse et nationale ou la presse haïtienne pour dire, mon cher, mes situations haïtiennes vont vivre, qui ça, et convention droit de l'homme a dit, qui ça en plus, et Costa Rica, côté qui est installé et tribunal international de justice. De justice pour droit de l'homme, non? Qui s'est opiné sur ça? Donc, c'est des situations, c'est pas la première fois le passé, et c'est pas la dernière fois le passé. Donc, il y a une opportunité que nous gagnons, c'est demain, pour nous montrer l'état chilien. Si bien, nous pas là avec nous, mais l'homme, non, en général, le déplacer avec tout droit que le monde mette en accord pour moun sa ajou. Donc, les nous déplacer avec culture, nous déplacer avec mœurs, nous déplacer avec forme de vie, nous. Donc, les nous arriver dans un pays tout, c'est vrai, nous devons adapter nous avec pays, hein, mais comme ça tout, nous devons gagner autorité haïtienne yo, qui manifeste volonté pour permettre que le droit sa yon ne pas violer. Je ne veux dire, et madame nan, c'est une en plus, dans ça qui allait déjà yo, une en plus, mais réaction l'État haïtien, je vous le dis, c'est ta doit montrer que la communauté a gagné un représentant. Et moi-même, je ne vais pas parler pour ne pas faire allusion avec l'histoire d'Haïti. Hein? Haïti a participé dans la décolonisation de l'Amérique latine. Donc, si je vous le dis, nous voyageons en Amérique latine, parce que l'État pays, nous, en tant qu'État responsable, il devrait être capable d'assumer sa responsabilité pour l'assumer. Droit que nous-mêmes nous gagnons comme monde qui vit sous Tessa. Et pas oublier, nous sous Tessa, moi-même, non pas M. Mackinson Jean-Baptiste, nous avec Jean-Claude Pierre-Port, qui est un fonctionnaire dans Santiago, dans Kilikoula, qui a aidé un immigrant, qui a orienté. Et nous avons un petit temps pour nous saluer Edric Pico, qui branche nous, DJ Mix Taking, qui branche nous depuis États-Unis, Frère De Russo. Et merci en pile pour accompagner nous. Mauricio Guzman, gracias Paul et Seguilnos. Béton estimable et nous saluons, Edrijan. Donc, et c'est un cas qui est très triste. Et j'en saute tant de Jean-Claude qui s'est une idée à parler. Il dit là, prenons nous demi si je vais à partir de 6h30. Oui. 6h30, dans la place de Alma. Côté chaque monde a marché avec Baleño. Et puis, avec Santarelle, on maillot noir. On bagaille qui pour montrer que nous en deuil. Que nous en deuil parce que journée aujourd'hui c'est madame Florville qui Joanne Florville, peut-être demain il gagne droit son ami, il gagne droit son camarade, il gagne droit son sœur, il gagne droit son cousin. Donc essentiellement c'est réagir à temps pour éviter gagner des situations qui viennent passer dans situation dans gens situation ça. Donc moi-même ça t'est touché parce que moi entrer dans l'équipe travaille sous dossier madame non, c'est avec volonté propre. Donc et mais c'est comprendre que en dans communauté a jusqu'à présent il y a des leaders, il y a monde qui dit yo c'est leader en dans communauté a, peut-être yo poko en mesure ou bien en maturité parce que journée aujourd'hui toute plateforme qui fonctionne qui représente les droits de l'homme ou bien droit monde dans communauté a, ta doit unifier yo pour nous faire une seule bataille
pour madame ça parce que petite ça fait et ça triste dans situation hein? Et lo que se podría parecer un poco triste en la situación es que su hija es chilena porque ella nació en Chile. Entonces aquí estamos frente a un delito donde el Estado de Chile tiene que pronunciarse como también el Estado de Haití, porque allí no es un animal, es una persona que tiene su vida, que deja dos hijos, donde el papá va a tener que asumir el costo. Entonces hay que haber, debería haber reparación para la familia y también justicia que puede ser clara y objetiva para que las personas siguen viviendo como deberían vivir. Así que no espere que demain haïtien pareil nous qui en d'un pays qui travaille ou bien qui est dans une institution pas connaît. C'est le pour nous prendre responsabilité nous pour nous rassembler force pour nous manifester et décontentement nous ou bien j'en nous pas content pour j'en yo traité situation madame nan parce que madame nan et n'y pas fait un rien qui méritait pour le passer dans la condition de passer à une madame qui a à peine 28 ans, hein, très jeune, et qui quitte le pays, et en plus de ça, et c'est pas n'importe quoi, et madame n'a pas tonton qui s'est député, non? Il y a un député qui s'est député nord-ouest. Tonton qui débutait comme un député, elle est. Quand retourner sur le nom député, mais il y a un tonton qui s'est député nord-ouest qui t'a droit réagir. Pas seulement parce qu'elle est députée, mais son citoyenne qui mourut dans un pays étranger pour négligence de loi. Donc, c'est là. Imaginons, en parenthèse, imaginons que un tonton qui est député et ou obligé de venir dans un pays qui est le Chili. Il va payer à son mauvais pays, mais ce grand tonton qui est député, au moins, il a juste de humilité pour les défamines. Et en plus de ça, tout, après qu'à tout, faut au moins député en tout cas pour penser tout parce que si la pensée pas qu'à penser seulement avec famine victime sur ça mais les mêmes tout en pile d'autres monde qui vivent les victimes de ça il y a pile monde qui ont pas attendu la mort en pile bruit il y a pile là ici qui mourir nous pas attendre bruit il y a c'est la mort tout et Frédéric tout yo c'est grand goût c'est frustration parce que monde qui vient Chili là c'est quoi prêté. C'est toi et toi coup de poing à au point il y a pas qu'à tourner si on tourne faut le payer comme là comment ça me dit là donc son équipe bagaille qui vient faire que faut que l'état haïtien commence à penser quel type de coopération supposé gagner avec Chili quel type de traitement supposé bah ici qui en Haïti quel type de traitement que haïtien a besoin qui ici au Chili Mackinson c'est pas juste pour les droits nakala ou personne parce que ça n'a pas aujourd'hui hein, c'est image typique. Ça nous y est la caille. Yeah. Donc, si la caille ou parents ont été comme moun, quel que soit moun qui est en voisinot, la tête comme moun. Et moi, toujours dis ça, ça me bat des coups de parole. Depuis où est, yo viole les droits, depuis dans le pays où, quel que soit côté, il y a la difficile pour pas violer les droits. Exactement. Parce que c'est façon entre tout, façon yo protéger les droits dans le pays, c'est ça qui fait notre nationalité à respecter. Nous, même bagaille ça en République Dominicaine. Il pas respecter nous, ça fait pas respecter nous parce que ouais même l'état pas nous pas respecter nous. Il pas protéger droit nous. Ouais ça me dit là. Pour mon petit Jacques Leravel et ambassade d'Haïti te gagner opportunité le 20 septembre pour te réagir sur situation madame là qui peut-être te ca éviter nous arriver dans chaos que nous y journée aujourd'hui hein côté madame là li décédé. Parce que l'état haïtien les nous te rencontrer avec eux pour nous demander au support yo avec dossier yo te manifesté oui y a plat parce que le jour 20 c'était jour côté ambassade là et avec directeur centre santé hein t'as gain opportunité pour yo te prendre une note de presse pour expliquer situation mais situation qui pas produit et journée aujourd'hui à madame nan décédé et en plus c'est pas parce que le famille ont débuté ou bien li gen relation avec mais c'est parce que situation la caille nous pas permettre que nous fonctionner comme monde qui fait les nous river bon ici n'importe monde qui a dit yo c'est représentant nous n'importe monde qui prend parole sur nous et n'importe monde fait nous ça yo voulez situation ça passer avec un cubain situation ça passer avec un colombien un péruvien ça passer
Parce que yo dit c'est parce que nous pas parler espagnol, mais pas passer avec même genre avec un Jamaïcain. Jamaïcain pas parler espagnol. L'État Jamaïque mettait sous pied des systèmes qui protégeaient douane en dedans et de leur pays côté la vivre. Yeah. Donc qui vient faire les mon font bagaille, il attend que et communauté qui représente Mounzaha, qui a prendre des actions de justice internationale, qui capable de qui capable porter plainte contre l'État côté et Mounzaha l'installe. Donc situation dans laquelle l'État haïtien lui-même n'est pas en mesure pour le positionner parce que il pas une capacité même pour pas être une réponse aux situations qui passent ici en dans pays, il vient pas un contrôle sur situation qui passent dehors. Donc ça encore une situation que qui mandé à réfléchir, qui mandé anti classe de conscientisation, et c'est ça qui fait nous voulons conscientiser. C'est pas seulement pour demain, hein, c'est pas seulement pour demain, et nous souhaiter dans jour qui venir haïtien a bien chance pour qu'on ait des espaces de réflexion cap passer en dans communauté hein, sous qui Jean nous prévoit et encadrer communauté hein, et bal possibilité pour lui-même capable exiger droit lui. Je ne dis pas c'est pas seulement et viol sous genre de droit ça yo et étranger en soi de non situation précaire côté on étranger qui vient dans pays a passé 10 12 mois sans pas de document, il pas travail, il pas conseiller des bagages. Genre des situations ça yo li mettez-vous dans des situations de vulnérabilité qui capable déboucher sur des crises socio-économiques. Imaginez, madame Joanne a 8 mois dans le pays, a Marie a environ 10 ou bien 12 mois depuis dans le pays, il n'a pas de travail, il n'a pas gain accès pour des documents pour joindre au travail. Marie a obligé de sortir au travail, il vole les valises li, il a arrêté madame li, qui mettait dans situation ça, mais si l'état pays et mettez des conditions pour monde papier à temps, parce que journée aujourd'hui, hein, madame Joanne te doit et non l'autre situation, mais pas dans la situation que nous. Et bon, et n'a dit tout auditeur, tout téléspectateur, tout fanatique tezin, et n'a pris une petite pause qui pas prendre le temps, et n'a pas une question réponse, et parce que nous t'a fait 30 minutes à parler, nous pas fait plus. Comme d'habitude, nous fait live là et une autre temps, comme il y a tellement live qu'a fait, nous voulons faire live la pratique, n'a coupé. Nous n'avons pas fait dépasser 30 minutes. Nous avons une petite pause et nous avons salué Jean et Edrigan qui suivent nous. Nous avons salué Zao Jean, nous avons salué Ruben, c'est le maestro. Nous avons une petite pause si vous bon, et nous retournons encore
Et pas oublier ou sous plateforme Tezen, n'a pas salué tout le monde Créole Production, n'a pas salué Adno, n'a pas salué tout le monde Espace de Réflexion, Jeff Basile, Emmanuel Montpoint, n'a pas salué tout et Ochek, toute organisation qui est en Chili, tout ça qui est du Koulayo, tout ça qui est en Belnado, toute communauté pour nous mettre nous ensemble, pour nous faire ça, pour nous faire. J'en suis autant de là. Jean-Claude, Pierre-Paul et avec tout le staff là, ils invitent nous. Viennent participer dans demi si Dieu veut à 6h30 pour nous venir participer venir déposer une baleine allumée et pour nous montrer que nous pas content avec façon Joanne Florville Mouria bagaille qui était évité et donc nous pas le faire mais nous pas le faire on nous pas close avec et programme là et Jean-Claude est-ce que tu as un dernier bagaille à discuter avec communauté ou bien tu as un dernier message qui sale ta pied et pour nous fini et journée aujourd'hui, hein, j'en ai dit, ou bien j'en ai toujours dit, et n'a pas invité tout le monde. Demain après-midi à 6h30, et côté la presse à présent. Et en plus de ça, nous avons des institutions comme INDH, Institut Droits Humains, dans le pays Boïsia, qui a côté ce couillon pour participer. Gagné et MAM, Mouvement Action Immigrant, qui a gagné. Donc, Mouna l'a gagné pour lui ni seulement participer. Nous souhaitons que chaque monde sorte la caillou avec une baleine, juste pour nous capables de limer et pour nous souhaiter, Johan, bon voyage. Et en plus, pour nous montrer, communauté chilienne, que la situation passée, ce n'est pas comprendre, nous ne comprenons pas. Donc, nous avons une réponse. Nous ne pouvons pas faire violence, nous ne pouvons pas dire BS mot, c'est seulement nous avons arrivé, nous avons campé, nous avons limé baleine, nous, et puis, tant balè nou fin boulé pour nous souhaiter Johan bon voyage et en plus pour nous dire l'état haïtien à part de Johan gen l'autre moun encore qui dans situation difficile k'ap tan nou réponse nan mayo donc gen pile ti moun haïtien ti moun étranger jounen jodi a ki nan sénamé qui pa gen réponse gen pile et moun nan communauté haïtienne nan qui victime système judiciaire là donc c'est ça fait n'a mandé en pile collaboration et de tout côté monsieur Ochek qui a participé et wap, soit regardé dans la presse je ne veux dire mon circulaire cap manifester là côté yo mandé pour communauté en lui-même li capable et porter appui by Jared agent de activité ça qui va réaliser demain Magenson et n'a salué tout le monde qui était en branché dans moment ça et depuis côté où té la kaou invitons l'autre monde demain sou capable marcher avec un maillot noir sous yon jacket noir et balen nou nan moun pour nous aller solidariser nous avec Johan parce que toujours dit quel que soit haïtien qui dans situation difficile si on haïtien pareil pas collaborer avec lui parce que nous en contradiction avec ça nous ta relé hymne national nous qui dit ou bien emblème nous qui c'est l'union fait la force donc nous besoin union de tous les haïtiens et tout de tous les haïtiens et toutes les haïtiennes pour que demain c'est un jour qui inoubliable dans famille Johan parce que demain Marie Johan a sous place là pour si on monde d'able reconnaître lui pour tout reconnaître lui et connaître qui vont ca solidariser avec donc invitation c'est pour nous toutes n'attendre demain bonne 6h30 sous place de Alma de Santiago côté nous bral et exprimer douleur nous face avec madame. Merci en pile Jean-Claude parce que tu as accepté l'invitation nous pour venir parler sous tes uns pour t'inviter mon dans coquin chaîne et veler ton ça cap gagner et pas oublier que la production fait nous connaît que et on y veler ton pas gagner avec foi chrétienne au monde ça veut dire sous catholique ou protestant ou adventiste ou vaudouisant ou maçon ou qu'a toujours venir dans yon veille parce que son veille est lié on veille symbolique lié pas gagner avec foi chrétienne et tant pour pasteur tant pour chrétien yo pas ba moun yo fo information pour pas avec ritual pour pas avec ritual dans veler ton n'a dit que veler ton répond pas chrétien pas gagner avec chrétien son question de haïtien bagage haïtien qu'a régler pour tout monde accompagné de baleine sous bagain baleine vin sans baleine. Tout le monde a accompagné avec un rat noir. Soit un rat noir, bin sans rat noir. Donc, ce n'est pas une obligation. N'attend tout le monde de si Dieu veut. C'est ton plaisir. À la prochaine. Bye bye.